Eh bien salut tout le monde, c'est Ludo, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Lego Batman 3. Et aujourd'hui nous allons particulièrement nous intéresser donc au Season Pass. Nous allons donc voir si un niveau est disponible, donc on va commencer par l'homme d'acier. Ok, donc en mode histoire, eh bien c'est parti. Oui, je suis sûr. Krypton, qui était autrefois une merveilleuse planète, est aujourd'hui au bord de la destruction. Moi, Maximus... Jor-El... Je dois tenter de sauver mon fils Cal, en lui faisant quitter la planète. Il emportera avec lui, dissimulé sous ses habits de bébé, tout le code génétique de notre civilisation. Si je parviens à rentrer chez nous et à le mettre dans la dernière fusée, il sera sauvé. Nous lui laisserons du lait en quantité suffisante et ça devrait aller. Il faut réussir. Le général Zod, il veut prendre le contrôle d'une planète condamnée. Quel idiot! Mon fidèle dragon de l'espace. Ah, quel formidable gâchis. Quel ex, maudit robot. Aide-moi à entrer. À mon retour, j'ai trouvé ma maison assiégée par le général Zod et ses troupes. Je n'aime pas les invités de dernière minute. Ok, ça roule. Donc là... D'accord, je suis déjà mort. Ouais, j'ai glissé là. Bon, je disais donc, nous sommes en train de vivre l'histoire donc de Superman, le tout début, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux me suivre, toi? Tu veux me suivre ou tu veux pas me suivre, dis-moi? C'est comme tu veux, Coco, hein? Moi, si tu veux me suivre, y a pas de souci, mais alors tu traînes pas dans mes pattes. Donc, écoutez, nous allons avancer. Donc, comme je vous ai dit, d'accord, il nous faudrait Green Lantern. Alors, je sais pas si on peut la... Ben non, on est en mode histoire, donc forcément, je ne peux pas la voir. Donc, qu'est-ce que c'est? Un papillon? J'ai failli le dégommer, attendez, on va recommencer. Ça peut être marrant de dégommer les papillons. D'accord, j'ai dégommé le robot, bah là le robot il est mort là pour le coup. Donc, le système d'ouverture de porte. La porte d'entrée était verrouillée par un code si complexe que seule une machine comme Kellex pouvait le décrire. Et ta sœur? J'espérais que Lara et Cal étaient en sécurité à l'intérieur. Pareil, tout pareil, n'est-ce pas? Donc, nous allons essayer de dégommer la porte. Enfin, de la dégommer, de déverrouiller la porte, autant pour moi. Donc, ok, d'accord. Il faut le robot. Alors, le robot. D'accord, va moins vite la prochaine fois, s'il te plaît. Voilà, et ça doit être ça. Et celui-là. Voilà, merci Coco. Ok, ça roule. Donc, nous allons avancer un petit peu dans le couloir. Oh, ça fait peur ici. Ah, que oui, ça fait peur. Oh, Batman, il faut Batman. D'accord, ben, je l'ai pas, c'est ballot, hein. Donc, c'était sûrement la kryptonite, je crois. Oh, purée la vache. Zod ignorait ce que je comptais faire du codex, mais il semblait déterminé à m'arrêter par tous les moyens. C'est ça. D'une certaine façon, cette persévérance l'honore. C'est exactement ça, mon gars. Par contre, ici... Oh, mini-kit, super. Voilà, 1 sur 10, parfait. Donc, est-ce que mon gars, il a besoin... Enfin, est-ce qu'il a des rayons laser? Oui! Comme son fils Superman. Voilà. Et maintenant, je fais quoi? D'accord, on peut avancer, n'est-ce pas? Alors, franchement, je suis vraiment ravi de voir que, grâce aux Season Pass, on a accès à des niveaux supplémentaires et d'histoires différentes, parce que là, pour le coup, c'est pas du Batman, c'est bel et bien du Superman, hein, pour le coup, et je pense que les autres niveaux du Season Pass, ça sera exactement pareil, ça sera des histoires de d'autres personnages de l'univers DC, d'accord, DC Comics. Encore une terrible explosion et d'autres hommes envoyés par Zod pour me traquer. C'est à ce moment-là que je me suis dit que j'aurais mieux fait de passer par derrière. Exactement, Coco! Merde! Alors, il faut que l'on dégomme ce qu'il y a au-dessus. Voilà, et là, nous allons devoir reconstituer tout ce bazar. Eh bien, c'est parti, voilà. Ok, qu'est-ce que c'est? C'est pour le robot? Non? C'est pour qui? Oh, c'est pour éteindre le feu! Alors, on va éteindre le feu. Voilà. Ok, c'est quand tu veux, Coco, hein. Voilà, merci. Ok, voilà. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je donne un coup et ça casse tout? Presque. Alors, attendez, on va essayer de tout taper. Voilà, oh là là, ça met un bazar pas possible, ce truc. D'accord, donc, ça, c'est bon, on va pouvoir avancer. Hein, bonjour. Je parviens finalement à la fusée avec Cal. Il faudrait peut-être le changer. Zod, encore lui? Il n'a rien de mieux à faire. Une nouvelle coupe de cheveux ne serait pas du luxe.
Non, pas le berceau. Avec Lara, il nous a fallu une éternité pour le monter. Jerry, tu te souviens où on a mis la notice? Quel gâchis. Au départ, je voulais appeler mon enfant Zod. Lara préférait Neil. Au final, on a choisi Cal. Aujourd'hui, Neil me semble beaucoup mieux que Zod. Au secours! Oh, il y a Adam West à sauver, mais on ne peut pas. C'est ballot, hein. Mais c'est pas grave. Donc, je vais un peu explorer. Oh, une pièce violette, génial. Je vais un petit peu explorer parce que j'ai vu ce qu'il y a à peu près ce qu'il y avait à faire. Il faut utiliser le laser du mec pour, enfin, du père de Superman pour exploser la pièce qu'on a tout à fait à droite. Voilà, je suis super véritable zéro. Donc, on va mettre le laser là-dessus. Voilà. Et ici, nous allons devoir reconstruire des éléments. Ok. Alors, de quoi s'agit-il? Un berceau dans une fusée. L'idée peut paraître saugrenue, mais d'abord, il fallait le réparer ou bien notre plan serait voué à l'échec. Thoran, l'un des hommes de main les plus fidèles de Zod. Un redoutable combattant. Dommage qu'il sente plus mauvais qu'un rongeur. C'est ballot, hein? Ok, donc... Faora. Une guerrière si farouche qu'on disait qu'elle partait en vacances dans les débris de la lune Vector. Oui, mais on s'en fout, nous. On s'en fout, là, pour le coup. Nous, ce qu'on veut, c'est juste avancer dans l'histoire, Coco. Ok, donc toi, tu dégages, toi aussi. Attendez, elle est où, la gonzesse, là? C'est toi? C'est toi, la gonzesse? Ok, je t'enlève déjà un cœur. Alors, par contre, c'est quand tu veux que tu perds le second, cocotte? D'accord, faut éliminer les sbires, je suppose. Voilà, allez, encore un cœur de moins. Par contre, pourquoi Y? Pourquoi? Je fasse quelque chose avec... Non. Moi, je veux casser la tronche à tous les sbires, là, parce que je sais pas ce que je peux faire, moi, avec le bébé. Il faut vraiment que je reprenne le mec. Non, mais... Oh! Voilà, c'est Jor-El. Jor-El, c'est bien Jor-El. Ok, donc toi, tu dégages. La gonzesse, elle est où? Elle est là. Voilà, je lui ai fait perdre tous ses cœurs, tant mieux. Ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ah, d'accord, il y a ça à reconstituer. Mais parce qu'il n'est pas fini le berceau du bébé là. Enfin, je sais pas si c'est ça. Le berceau a pu être monté à nouveau. C'était notre seule chance. Oui, donc c'était bien le berceau du bébé là pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Coco? La capsule de secours est prête à partir accrocher le berceau en tant que. Attends, accrocher le berceau en tant que Lara. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai bien lu. Et appuyer sur B pour placer Cal le bébé dedans. Ok, donc on va prendre Lara. Et on va mettre le bébé... Alors, faut le jeter ou comment ça se passe? Ah, on est d'accord. Faut pas le jeter. Au revoir, mon fils. Envoie-nous des cartes postales. Non, laisse tomber. Mais il vaut mieux laisser tomber, je crois. Alors, donc, nous allons prendre le robot et on va envoyer ce bébé sur la lune. Alors, bah... Ouais, d'accord, ok. Donc c'est celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Voilà, je pense que c'était ça. Voilà, direction la Terre. Allez, hop. Zou! Mon voyage! Allez, maintenant tu te casses. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? Ah, faut changer de zone. Le général Zod a fini par arriver. Je ne pouvais pas lui laisser compromettre notre mission. Exactement, Coco, on peut pas lui laisser compromettre la mission. Oui, mais attendez, sauf qu'il arrête pas de courir dans tous les sens, ce mec. Regardez, c'est un kangourou, il saute dans tous les sens. Mais arrête de bouger! J'essaie de lui tirer dessus, mais le gars. Ça lui fait ni chaud ni froid, quoi. Mais dégage! Mais est-ce qu'il a quelque chose de particulier à faire ou comment ça se passe? Parce qu'à parcourir dans tous les sens, c'est... Ah d'accord, ah, bah c'est maintenant qu'il veut passer à la guerre, tu sais. Allez, viens là. Ah oh, purée, mais... Et je lui fais perdre aucune vie. C'est normal. D'accord, on se tire dessus. Moi, je perds tous mes cœurs et lui, il en perd absolument aucun. Et en plus, ça le fait rire. Attendez. Attendez. D'accord, il perd absolument aucun cœur, le gars, c'est génial. Ah, il a perdu un cœur, tant mieux. Alors, en fait, ce qu'il faut faire... Voilà, hop, et quand il fait ça, voilà. En fait, faut lui laisser nous tirer dessus, et c'est quand son pistolet est chaud, genre... Maintenant, voilà, hop, on le tape. Allez. Au revoir, président. Je ne pensais pas qu'elle décollerait. Bonne chance, mon fils. Ta mère a placé tout un tas de machins holographiques dans la fusée pour t'apprendre à faire certaines choses. Tu y trouveras également quelques photos de nos vacances sur Candor. Où que tu atterrisses, n'oublie jamais de te tartiner de crème solaire et essaie de protéger les données du Codex qui sont cachées dans ton ADN.
Ok, parfait, donc l'homme d'acier, niveau terminé, je vais débloquer. Donc, nous avons débloqué... déjà au niveau des pièces, je suis véritable zéro, ça on le savait déjà. 100% de pièces, c'est nickel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Adam West, on l'a pas sauvé, je sais. Miniki, j'en ai récupéré un seul. Voilà, on va aller bien loin avec ça. Donc, j'ai débloqué une brique dorée pour le niveau terminé et pour le véritable zéro. Voilà, parfait. Et retour à la tour de surveillance, et bien c'est parti. Et bien voilà, donc petit niveau assez court au niveau de, du Season Pass, n'est-ce pas? Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire. On se retrouvera très prochainement pour les autres niveaux du Season Pass. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine, salut tout le monde!